Bon, alors si ça vous va, on va commencer. Alors, bienvenue dans ce webinaire sur la calculatrice graphique de Desmos. Il est 13h30, j'ai prévu environ une heure. En fait, à 14h30, on devrait pas mal avoir fait le tour de la calculatrice graphique. Alors, je me présente. Mon nom est Stéphanie Rioux. Je suis à la base enseignante de mathématiques au secondaire dans la région de Québec depuis plusieurs années. Grande utilisatrice des technologies en classe. Depuis 2 ans, je fais partie de l'équipe du Récit MST. Donc, c'est du Service national du Récit dans le domaine de la mathématique, de la science et de la technologie. Avec moi cet après-midi, il y a ma collègue Sonia Fizet, qui va m'assister dans ce webinaire pour l'aspect technique et tout ça. Ça va toujours mieux à deux pour ce genre de présentation-là. Donc, moi, je m'occupe, dans l'équipe MST, on est 7, je m'occupe principalement du volet mathématiques au secondaire. Sonia, c'est plutôt mathématiques-sciences au primaire. On a des collègues aussi qui s'occupent des sciences. Bref, on porte tous des chapeaux un petit peu différents. Notre objectif, notre mission au Récit, c'est justement faire la promotion, faire la formation, faire l'accompagnement sur l'usage pédagogique des technologies en classe. Donc, avec la pandémie, habituellement, on se déplace dans les centres de services scolaires, mais avec la pandémie, ça se fait plutôt à distance et il a fallu aussi adapter un petit peu notre service afin de rejoindre les enseignants et enseignantes au conseil pédagogique le plus possible. Donc, vous avez le lien vers la présentation si ce n'est pas déjà ouvert. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, dans le clavardage, j'ai mis 3 petites consignes. C'est possible d'avoir 2 écrans, un écran pour visionner, un écran pour expérimenter. Parce que tantôt, je vais tomber en mode partage d'écran pour faire des manipulations dans Desmos. Je demande aussi d'avoir un compte Desmos créé déjà afin de pouvoir conserver vos créations d'aujourd'hui. Puis, d'ouvrir les ressources de la formation, soit avec l'adresse qui est dans le clavardage ou celle que j'ai mise à l'écran. Donc, ça vous permet d'avoir accès à la présentation en format cliquable, étant donné qu'il y a plusieurs liens que j'ai préparés qui vont être utiles durant la formation. Puis, en même temps, ça vous donne accès aux ressources. Là, vous pouvez vous en faire une copie, vous pouvez les partager à vos collègues sans problème. Donc, le plan de la formation, de la rencontre de cet après-midi, quelques petites questions pour mieux vous connaître. Ensuite, pourquoi Desmos? C'est quoi Desmos? Vous avez sûrement déjà entendu parler de Desmos si vous êtes ici. Donc, en quoi ça donne une valeur ajoutée à notre enseignement des mathématiques? Quelques idées pour vous inspirer avec la calculatrice graphique. Et après ça, on va passer un petit moment main sur les touches, donc pour voir les bases de la calculatrice graphique. Et à la fin, je vous partage des ressources. Maintenant, l'usage pédagogique des technologies. Donc, peut-être que tranquillement, vous commencez à vous en rendre compte en quoi ça donne une valeur ajoutée. Quelques mots là-dessus, ça peut donner beaucoup de sens à aux apprentissages, aux mathématiques. Ça permet de vraiment diversifier nos approches. Moi, je le vois comme une autre porte d'entrée pour aller chercher nos élèves, pour stimuler l'engagement, la motivation. Ça permet de faire de la différenciation pédagogique facilement, en quelques clics seulement, parce que des fois, papier-crayon, c'est difficile de faire de la différenciation, c'est laborieux. Ça contribue à la mise en place d'un climat favorable aux apprentissages. Ça permet de varier les modes d'expression, varier les modes de représentation, de développer l'autonomie, développer les compétences utiles au 21e siècle. Ça appuie aussi la démarche de résolution de problèmes. Ça peut, pour beaucoup, là, tantôt je parlais d'une porte d'entrée, ça peut favoriser la compréhension des concepts et processus à travers un outil comme celui-là. Ça peut faciliter la communication, augmenter l'efficacité des élèves dans la réalisation des tâches. Ça permet aussi des fois d'explorer des situations pas mal plus complexes, de manipuler un grand nombre de données, ce qui est parfois plus réaliste même, de faire des simulations, de faciliter des calculs fastidieux. Et on peut même aller jusqu'à parler d'évaluation. Ça peut permettre d'évaluer autrement, de donner une rétroaction qui est immédiate, qui est différente. Bref, beaucoup, selon les chercheurs, il y a beaucoup de chercheurs qui se penchent là-dessus. On pense à Thierry Carcenti, donc qui vont vraiment voir une valeur ajoutée à l'usage des technologies pour l'apprentissage en classe des élèves. Et Desmos, tout ce que je viens de vous dire, on peut l'appliquer à cet outil-là. Aussi, on est en plein dans le mille avec le cadre de référence de la compétence numérique qui a été publié par le ministère en avril 2019.
dans le cadre du plan d'action numérique. Donc, on parle de 12 dimensions ici liées à l'usage des technologies en classe. Pour ce qui est de la calculatrice de Desmos, on le place vraiment dans la dimension qui se nomme numérique pour l'apprentissage. On peut le placer aussi en résolution de problèmes et même en innovation et créativité. Vous allez voir tout à l'heure qu'avec Desmos, on peut faire des créations très artistiques. Tout ça soutenu par des mathématiques, soutenu par des fonctions, par des droits, par toutes sortes d'équations. Donc, on touche plusieurs dimensions de notre cadre de référence de la compétence numérique. Aussi, vous avez sûrement entendu parler du tout nouveau référentiel d'intervention en mathématiques qui a été publié en février dernier. Donc, encore une fois, plusieurs aspects ici peuvent venir s'incruster dans l'usage des technologies comme Desmos et faire des liens avec notre référentiel d'intervention. Donc, au niveau de l'aspect donner du sens à la mathématique, il y a trois grandes sections. La compréhension conceptuelle, donc ici, Desmos peut intervenir pour aider à cette compréhension-là. Il y a la flexibilité aussi, trouver plusieurs façons d'effectuer une tâche, utiliser la procédure la plus efficiente aussi. Fluidité peut-être un peu aussi, mais personnellement, je le vois, j'ai pas encore trouvé de lien, mais je suis certaine qu'il y a un lien à faire là. Mais encore une fois, au niveau du référentiel d'intervention en mathématiques, les modes de représentation en mathématiques sont très, très, très sollicités dans un outil comme Desmos. Il y a un aspect qui est dynamique en plus dans ces modes de représentation-là. Donc, c'est les liens que je vois. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est les liens les plus visibles que je vois pour faire référence à notre référentiel d'intervention en mathématiques. Maintenant, les différentes façons de travailler avec Desmos. Aujourd'hui, le webinaire concerne uniquement la calculatrice graphique. C'est une calculatrice graphique qui est accessible via le web, donc à partir de notre navigateur, mais qui est aussi accessible via des applications pour appareils mobiles. Donc, en classe, ça peut être un outil si on a accès à juste des téléphones intelligents, des tablettes ou des ordinateurs ou des Chromebooks. Donc, ça peut être un outil d'enseignement, mais ça peut être un outil d'apprentissage. Il existe même aussi une application mode test mode pour l'évaluation qui bloque l'accès à toute autre application ou même à Internet sur l'appareil de l'élève. Donc, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la calculatrice graphique. Il y a deux autres webinaires qui sont prévus. Le prochain, c'est lundi. Qui va parler de la classe virtuelle de Desmos. Donc, c'est vraiment un environnement numérique d'apprentissage où l'enseignant peut faire le suivi de la progression des travaux des élèves. Il peut faire aussi des rétroactions à ses élèves. Et le troisième webinaire va porter sur la conception d'activités pour la classe virtuelle. Donc, aujourd'hui, calculatrice graphique seulement, mais si vous voulez en savoir plus sur la classe virtuelle, je vous invite à venir lundi pour apprendre à l'utiliser, la classe virtuelle, puis l'autre, je ne me souviens plus de la date, vous irez voir dans le calendrier du récit, pour la conception d'activité. Il me semble que c'est vendredi prochain, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec la calculatrice graphique? Voici un exemple. Moi, j'aime beaucoup aussi donner une dimension créative à à cette technologie-là. Donc, ici, à partir d'équations, ou plutôt d'inéquations du cercle, on est capable de venir dessiner, qu'en jouant avec les paramètres du cercle, on est capable de dessiner un arc-en-ciel comme celui-ci. Si vous voulez, dans la version cliquable de la présentation, vous pouvez cliquer sur le lien qui est là et ça va vous ouvrir la conception. Donc, on peut jouer bien sûr avec les couleurs, mais ici, pour arriver à réussir ça, ben, il faut vraiment travailler là, avec les coordonnées, pas avec les coordonnées, mais avec le pas de graduation. Il faut déduire, déterminer les paramètres de chacune de nos fonctions. Un autre exemple, ici, c'est moi, en fait, c'est la première chose, le premier projet que j'ai fait en classe avec mes élèves, c'est en secondaire 3, c'est un sapin de Noël. Ça, c'était en 2014 ou en 2015. Ça a été mes débuts avec Desmos, puis ça a été vraiment révélateur. Ce sont de vraies créations de mes élèves cette année-là.
Ça a été vraiment révélateur. J'ai vu des élèves très engagés dans leurs tâches, des élèves qui, tu sais, qui parfois n'avaient pas vraiment d'intérêt pour les mathématiques, mais quand je les ai amenés à concevoir ceci, ben, j'ai vu une attitude très différente. Vous remarquerez aussi que celui de gauche, c'est un élève qui était vraiment stimulé par la tâche et qui a voulu mettre des boules de Noël dans son sapin. Puis il était un élève quand même assez autonome. Puis je lui ai dit, ben, ça prend l'équation du cercle, puis je t'invite à faire des petites recherches sur Internet pour trouver. Il a trouvé lui-même comment intégrer des boules de Noël dans son sapin avec l'équation du cercle pour un élève de deuxième secondaire. Celui de droite, ben, c'est un élève qui était très peu engagé en classe habituellement, mais pour les trois périodes qui a duré le projet, c'était un élève complètement différent. Donc, des belles possibilités avec la calculatrice graphique. Pendant ce temps-là, ben, les élèves travaillent les paramètres sur les fonctions, ici c'était des droites, travaillent le domaine et l'image et apprennent à se servir des technologies pour être créatifs, mais en même temps pour travailler leurs mathématiques. Ah, merci Sonia d'avoir confirmé les deux autres webinaires. Ce projet-là est allé plus loin. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Facebook Les Maths Autrement. Un groupe Facebook dont je suis fondatrice et administratrice. Ce projet-là a été plus loin. Il y a des enseignants qui ont décidé d'en faire des cartes de Noël. Donc, les élèves avec leur propre création sur Desmos. Ensuite, ils ont fait imprimer pour en faire des cartes de Noël. Donc, je trouve ça assez exceptionnel. Donc, on amène la mathématique un peu plus loin, on l'amène plus concrète, on la rend utile aussi. Un autre bel exemple, ça a été fait ici dans la Centre des services des SAMAR, donc un projet interdisciplinaire mathématiques et arts plastiques. Donc, d'abord, en classe de mathématiques de troisième secondaire, les élèves ont fait des créations dans Desmos avec des droites. Puis ensuite, leur création, ils l'ont transposée en art plastique sur des toiles. Un beau partage, encore une fois, ici, qui a été fait sur les maths autrement. Un exemple ici qui est possible de faire avec la calculatrice graphique, mais aussi avec l'espace enseignant de Desmos. Celui-là, je l'ai réalisé à l'époque où l'espace enseignant n'existait pas et on avait seulement accès à la calculatrice graphique. Donc, l'idée, c'est qu'on peut insérer des questions dans notre espace de saisie. L'élève ici avait à trouver 10 fonctions avec les propriétés des fonctions. Puis, l'image des pyramides n'apparaissait pas. Donc, vous pouvez cliquer, par exemple, sur le corriger pour voir ce que ça donne. Et quand on fait apparaître, si l'élève choisit les bonnes fonctions, les premières sont faciles, mais plus on évolue, là, vers les dernières sont plutôt difficiles. Donc, s'il trouve les 10 bonnes fonctions, à la fin, il peut faire apparaître l'image et ainsi valider si ces fonctions sont correctes. Donc, un autre bel exemple pour l'apprentissage ici, c'est encore une fois la droite. Alors, bonjour, on a un nouveau participant. Alors, on a commencé déjà un petit peu, mais c'est pas très grave. On n'a pas encore mis les mains sur les touches, donc je vous invite à aller chercher les ressources. Sonia, si tu peux repartager la présentation qui est cliquable pour aider la nouvelle personne à suivre. Donc, je voulais vous montrer quelques exemples. Ici, là, ce qui est beaucoup la tendance qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, c'est justement la création d'œuvres d'art à partir de fonctions. Surtout à partir de la troisième secondaire, ça commence à être intéressant parce qu'avant ça, il n'y en a pas tellement dans le programme, on est assez limité. Donc, à partir de la troisième secondaire, on peut utiliser toutes les fonctions inimaginables afin de réaliser des créations comme celle-là. Puis, je vous ai partagé 5 exemples de projets qui ont été partagés par des enseignants et des enseignantes sur les maths autrement. Donc, des consignes afin de réaliser ces œuvres-là. Bien sûr, vous pouvez les utiliser telles quelles ou les modifier. Et certains se surpassent. Donc, ça n'a pas été fait par des élèves, mais c'est pour démontrer la puissance de l'outil de Desmos. Je vous invite à cliquer sur la Maison Blanche animée.
Donc, tout ce dessin-là a été réalisé avec des fonctions, et même les fontaines ont été réalisées avec des fonctions trigonométriques. Elles bougent en plus, donc on utilise des curseurs. Tout est mathématique. Alors, c'est juste pour vous montrer à quel point c'est un outil qui est puissant, puis c'est un outil qui permet de faire de grandes réalisations. Merci Sonia de le partager. Là, vous voyez que Sonia est très active dans le clavardage. Tous les liens dont je parle, ils sont accessibles à partir soit du clavardage ou soit de la présentation là, que vous avez peut-être ouvert sur votre deuxième écran. Donc, je serai rendue à la partie main sur les touches. Alors, on va aller expérimenter dans Desmos. C'est ici que l'utilité d'avoir un deuxième écran peut être vraiment à considérer parce que moi, je vais être en partage d'écran pour vous faire des démonstrations. Puis je vous invite à essayer, à refaire ces mêmes manipulations-là dans votre deuxième écran, dans votre compte Desmos. Donc, soit vous avez deux appareils ou bien sur votre ordinateur, vous pouvez vous organiser pour partager votre écran en deux parties. Donc, les quatre étapes pour se rendre à l'activité main sur les touches. D'abord, il faut aller à l'adresse desmos.com. Vous pouvez aussi choisir la langue française. Je crois qu'il y a une petite planète, si je me souviens bien, elle est en haut à droite. Ensuite, vous cliquez sur calculatrice graphique. Si votre compte n'est pas déjà créé, on peut le faire assez rapidement là, avec un compte Google ou autre. Donc, je vous invite à soit vous connecter à votre compte ou à créer votre compte. Et ensuite, ça va être important de revenir cliquer sur ce lien qui est ici, là, ce lien-là, parce que j'ai préparé d'avance quelques petits exercices là, que nous allons compléter ensemble. Donc, on va à desmos.com, on clique sur calculatrice graphique, on se connecte à son compte ou on crée son compte et on revient ouvrir le lien qui est ici à l'étape 4. Et c'est ici que je vais passer en mode partage d'écran afin de poursuivre la démonstration. Je vais commencer. Donc, première étape, ce que nous allons faire, c'est regarder l'interface de l'outil. Alors, je vais commencer ici. Tout d'abord, à partir de la planète, on peut aller choisir la langue désirée. Malek, oui, merci. Ici, au niveau de l'aide, on a vraiment des ressources intéressantes là, à partager aux élèves ou pour nous-mêmes, pour des petits rafraîchissements, des tutoriels vidéo. Le guide de l'utilisateur de Desmos est vraiment très, très, très bien fait. Les raccourcis clavier aussi sont intéressants là, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec des raccourcis pour gagner du temps. Là, ça peut donner vraiment une valeur ajoutée. Quand on veut partager un graphique, on utilise la petite flèche ici. On peut l'exporter, copier-coller pour l'envoyer à nos élèves via, par exemple, Classroom, via Teams ou toute autre plateforme. On peut l'imprimer, on peut l'incorporer aussi dans des documents comme un document Word ou l'exporter. À partir de notre compte ici, c'est là qu'on voit si on est connecté, puis on a accès bien sûr à nos paramètres du compte. De l'autre côté, les trois petites barres qui sont là, c'est vraiment notre banque. Donc, toutes nos créations vont se sauvegarder à cet endroit-ci. Et c'est ici aussi qu'on peut créer un nouveau graphique. Ensuite, ça, c'est le titre de notre graphique qu'on peut renommer ou qu'on peut aussi dupliquer. Dans l'espace ici à gauche, c'est là que c'est notre espace de saisie. On peut saisir ici plusieurs informations, des expressions, c'est-à-dire des fonctions, des commentaires, c'est-à-dire du texte, tableau, table de valeurs. On peut aussi créer des dossiers. Par exemple, l'élève qui avait fait un sapin de Noël avec des boules de Noël, il avait rassemblé toutes ses boules dans un dossier boules de Noël, toutes ses feuilles de sapin dans un dossier nommé ainsi, puis toutes ses guirlandes aussi ensemble, donc pour s'aider à se structurer. On peut aussi intégrer des images. Pensez tout à l'heure aux pyramides que j'ai ajoutées là, afin de travailler les droites. Donc, espace de saisie, on va travailler là-dedans tout à l'heure. Ici, on a le clavier de Desmos qui va être très, très, très utile pour aller chercher des caractères spéciaux. Il y a même trois claviers disponibles, ou deux, pardon. Donc, le clavier numérique.
C'est ça, l'autre, il est ici, fonctionnalité, donc on est capable d'aller chercher d'autres fonctions mathématiques ici. Et le clavier avec des lettres et certains caractères spéciaux aussi qui vont être très utiles. Donc, je vais me servir souvent du clavier de Desmos. Notre graphique, bien sûr. Et ici, à droite, des petits boutons qui ont l'air de rien, mais qui sont vraiment importants. Donc, le zoom, des zooms qu'on peut faire aussi. Là, je vous invite à l'essayer avec la roulette de la souris. Des fois, ça arrive qu'on zoome beaucoup trop ou qu'on dézoome beaucoup trop. Donc, on revient au zoom initial avec la petite maison. Puis, la clé anglaise cache beaucoup d'informations importantes. Donc, d'abord, le mode projecteur. Donc, en classe, si si la lumière n'est pas tout à fait appropriée, donc on peut jouer ici avec le mode projecteur. Contraste inverse aussi qui peut être intéressant. Mode braille, ben ça c'est pour les élèves avec une déficience visuelle. La grille, possibilité de tout changer, là. Vraiment, on peut mettre ça à notre goût. Donc, axe ou non, quadrillage secondaire ou non, grille ou non aussi, les flèches ou non, flèches seulement du côté positif ou des quatre côtés. Nos axes, on peut les cacher, les afficher. On peut ajouter une étiquette. On peut jouer sur l'intervalle, on peut jouer sur le pas de graduation. Même chose pour Y, intervalle, pas de graduation. Donc, vraiment, là, on a tout ce qu'il faut pour ajuster ça à notre goût. Donc, tout ça, ça se passe dans la petite clé anglaise. Je vais juste aller voir. Parfait. OK. Maintenant, bon, on a vu l'interface, on a vu paramètres du graphique. Maintenant, on va commencer à insérer des trucs dans notre graphique. Là, vous voyez ce que j'ai écrit ici, c'était plutôt des commentaires. Donc, j'ai utilisé ça ici. Alors que quand je veux insérer des expressions, je peux y aller directement, par exemple, si j'entre le point 2,5, il apparaît automatiquement dans mon graphique. Et là, ben, il y a plein de paramètres associés à chacune de nos expressions. Donc, je peux ajouter une étiquette par défaut, ce sont ses coordonnées, mais je pourrais lui donner un nom particulier. Et là, j'ai encore la petite clé anglaise. Les clés anglaises, là, ça cache toujours plein de belles surprises. Donc, ici, la position de l'étiquette, la taille, l'orientation, tout est modifiable. Si mauve ne vous convient pas, en cliquant longtemps sur le point mauve, on a accès à des styles et couleurs. Donc, on peut changer le style, changer la couleur et on peut aussi rendre le point mobile. Mobile dans tous les sens ou mobile seulement sur X ou sur Y. Donc, ça peut être très utile selon nos intentions. Ensuite, au niveau des polygones, là, ce qu'on peut faire, c'est conserver nos créations. Tout ce qu'on met ici, là, on peut les conserver, mais on peut les cacher aussi. Par exemple, là, je vais cacher le point que j'avais déjà créé parce que je veux en mettre d'autres ensuite. Puis tout à l'heure, vous allez pouvoir enregistrer tout ce que vous avez inséré dans ce fichier-là pour le conserver et pouvoir le consulter ensuite. Maintenant, si on clique à côté de notre point et qu'on fait Enter ou Entrée, ça ouvre un nouvel espace de saisie. Et là, on va créer trois points qu'on va nommer A majuscule égale, disons, 0, 0. Enter. B majuscule égale, on va y aller avec 6, 4. Enter pour le troisième, C majuscule égale. On va aller chercher, disons, 0, 6. Alors, j'ai trois points qui ont été créés. Il y a possibilité maintenant, à partir de ça, de créer un polygone. Dans ce cas-ci, ben, ça va être un triangle. Donc, si je fais Enter à nouveau et que je commence à écrire polygone en anglais, il va reconnaître l'appellation et là, dans la parenthèse, j'inscris A majuscule, virgule B,
virgule C, tout en majuscule. Il reconnaît les trois points ici parce qu'ils ont la même appellation. Et quand je place ça dans une parenthèse, ben, ça fait mon polygone qui est conçu avec les points A, B, C qui sont mobiles. Donc, si je modifie, si je change ici, on voit que les coordonnées, elles aussi, s'ajustent automatiquement. On aurait pu le faire autrement, notre polygone, en insérant directement ici à l'intérieur des coordonnées x, y entre parenthèses. On aurait pu aussi utiliser une table de valeurs. Donc, le polygone peut être construit de différentes façons. J'aimerais savoir si ça va jusqu'à maintenant, si je vais trop vite, s'il y a des questions avant que je poursuive. Peut-être avec un petit pouce en l'air ou un OK, dans le clavardage. Tout va bien, Nadine. Malek aussi. Julie, est-ce que ça va bien? Merci. Super. Alors, on continue. Pourquoi surcharger notre page? Encore une fois, on va juste venir cacher sans supprimer. Pour supprimer, c'est le X, mais pour cacher, on vient juste cliquer sur nos composantes ici. Donc, elles sont encore là, là. Si on veut revenir voir comment on le fait, il s'agit juste de les faire réafficher par la suite pour les revoir. Mais étant donné que je voulais qu'on conserve tout dans le même fichier, on ne veut pas surcharger notre page. Maintenant, règle d'une fonction. On vient cliquer juste en dessous. Alors là, je vous invite à vous amuser avec les fonctions que vous connaissez, que vous travaillez avec vos élèves. Donc, y égale, disons, 3x moins 4. Alors, c'est instantané. Notre droite ici s'affiche automatiquement. Je peux changer un paramètre rapidement au lieu de 3 si je mets 2. Voici ce qui se passe. Donc, c'est un bel outil de manipulation en classe. Si les élèves ont un appareil mobile, s'ils ont le droit de sortir leur téléphone avec l'application Desmos. Moi, je l'utilisais comme ça au début. Au début, comme outil d'enseignement, je n'avais pas accès à des appareils, à des ordinateurs. Donc, j'en mettais une au tableau. Puis là, je leur disais, trouvez-moi trois autres droites qui sont parallèles à celle-ci. Puis là, ben, ils essayaient sur leur téléphone. Puis après ça, on revenait en grand groupe. Donc, ça, c'est ce que je faisais en classe, mais ça pourrait se faire aussi à distance. Donc, tu sais, ce que je fais là, avec vous, on le fait à distance. Donc, si jamais on a des élèves qui, si jamais on rebascule en enseignement à distance ou si jamais il y a des élèves qui en ont besoin, donc, ça se fait ça aussi. Donc, je vous invite vraiment là, à vous amuser avec les fonctions que vous connaissez, que vous utilisez. Y égale 12 sur X, je mets tout simplement la barre de division et ça apparaît automatiquement. Quand on clique aussi sur notre fonction, ça fait apparaître les points importants. Donc, ordonnée à l'origine, abscisse à l'origine, ici même l'intersection automatiquement. On peut s'amuser aussi dans le clavier Desmos avec toutes les fonctions. Il y en a plusieurs qui sont disponibles à partir d'ici. Et si on poursuit, on va encore une fois cacher celle-ci. Fonction, là, vous voyez, tout à l'heure, je les ai écrits sous la forme Y égale, mais on peut l'écrire aussi sous la forme F de X égale. Donc, si j'écris f de x égale 4x, je peux ensuite, à la ligne suivante, inscrire f de 3 et il va me trouver la valeur si je remplace x par 3. Donc, ça fonctionne encore une fois avec toutes les fonctions. Si on utilise une autre, par contre, il ne faut pas encore utiliser le f, donc on y va avec g de x égale 2x moins 1. Et là, je pourrais venir inscrire ici g de 3. Donc, vous voyez aussi qu'on pourrait ainsi travailler les systèmes d'équations. On efface ceci encore une fois. Maintenant, fonction avec restriction. Donc, si j'inscris
J'ai beaucoup tendance à utiliser les droites. Y égale. Si on veut mettre des valeurs décimales, il faut mettre des points parce que décimal, c'est un outil qui a été conçu aux États-Unis. Donc, par exemple, 2,5x moins 1,5. Et là, si je veux mettre une restriction, si on veut faire un début de sapin de Noël, par exemple, alors on peut jouer sur le domaine de l'image. Il faut aller chercher ici, ce sont les accolades. Donc, accolades, donc si je veux que ma fonction soit affichée de 2 jusqu'à 4, par exemple, sur X, donc mon minimum, c'est 2. Je vais m'inscrire ici. Plus petit ou égal, on peut aller chercher ça dans notre clavier Desmos. Plus petit ou égal ici à X, plus petit ou égal à 4. Alors, on a comme ça un début de sapin de Noël. Donc, les restrictions, tant pour le domaine que pour l'image, avec des accolades, on inscrit ça comme ça. Les curseurs maintenant, vous me le dites si jamais ça va trop vite, hein? Je le vois le cavardage, là, je n'en ai pas pour me le mentionner. Alors, les curseurs maintenant, la différence ici, c'est qu'au lieu d'attribuer des valeurs numériques à nos paramètres, on va plutôt utiliser des variables. Par exemple, y égale à x plus b. Oups, j'ai oublié un petit égal. Et là, Desmos nous propose d'ajouter des curseurs soit à A, soit à B ou à tous les paramètres. Si je clique tous, donc les curseurs apparaissent automatiquement. On peut cliquer sur Play pour lancer l'animation. Donc, tantôt, je ne sais pas si vous avez ouvert la Maison Blanche avec les fontaines. Donc, c'est grâce au curseur, là, si les fontaines étaient animées comme ça. Donc, au niveau des curseurs, il y a possibilité de jouer encore une fois sur l'intervalle. Ici, je pense qu'il était de moins 10 à 10. Il y a possibilité de jouer sur le pas aussi. Puis quand on clique là-dessus, on a des options d'animation. Donc, est-ce qu'on y va toujours aller-retour ou juste des allées juste une fois? Est-ce qu'on y va ici? C'est très lentement. Non, c'est jouer indéfiniment. Tandis qu'ici, c'est la vitesse. Donc, on peut jouer sur l'animation de nos curseurs. Pour le B, même chose, je peux y aller manuellement aussi, hein? Donc, on peut y aller manuellement ou on peut utiliser le bouton Play. Et là, ben, on voit l'effet des paramètres sur nos fonctions. Les deux en même temps, je ne vois pas vraiment la valeur pédagogique ici, là. Donc, un à la fois, ça va, mais les deux en même temps, c'est difficile à analyser. Donc, c'est comme ça qu'on traite les curseurs dans Desmos. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Ça peut être par main levée, vous pouvez prendre la parole, vous pouvez l'écrire dans le clavardage. Tout va bien. Excellent. Les inéquations. Donc, bien simplement ici, Y, on va aller chercher dans notre clavier de Desmos, toujours ici, par exemple, plus petit ou égal à 3x plus 3. Donc, notre demi-plan s'affiche automatiquement. Je peux changer mon inéquation pour plus petit. On voit ici la ligne pointillée. Changer pour plus grand ou égal. On est de l'autre côté. C'est vraiment, oui, hein, Sonia. Vous venez de simplifier mon enseignement du polygone. Oh, j'y arrive tantôt au polygone de contrainte. Très intéressant, là. J'ai un exemple tout à l'heure. Donc, les inéquations, là, ici, là, c'est avec ça qu'on peut mettre, justement, dans les créations artistiques, qu'on peut mettre de la couleur à l'intérieur. On peut essayer, je vais cacher celui-là aussi, là, les fameuses boules de Noël, là. Donc, x carré plus y carré plus petit ou égal à, disons, 16. Donc, vous voyez comme ça ici,
Les fameuses boules de Noël, ben on pourrait jouer aussi sur là, il est central à l'origine, mais on pourrait jouer aussi sur sa translation. Donc, ça met de la couleur à l'intérieur, tandis que si je mets un égal seulement, on a seulement la ligne autour. Si je mets un plus grand ou égal, ben là, c'est tout l'extérieur. Donc, c'est avec les inéquations qu'on peut mettre de la couleur dans nos créations. L'étape de valeur maintenant, si ça va pour tout le monde, je n'ai pas pour m'interrompre au besoin. Alors, table de valeur, on peut venir l'insérer. Ben, en fait, on peut même faire un copier-coller d'une table de valeur qu'on a quelque part dans un document Excel, dans un document Word. Copier-coller tout simplement, ça l'insère automatiquement. Ou si on veut l'entrer manuellement, on vient dans le petit plus ici, choisir tableau. Et là, si par exemple notre X a une certaine régularité, par exemple si je mets 2, je descends avec ma flèche 4, je descends avec ma flèche 6, il reconnaît la régularité, puis après ça, je fais des Enter et ça va rapidement. Puis après ça, ben, ici, on peut mettre la valeur de notre choix, là, disons, comme ça. Ça apparaît automatiquement sous forme de points dans notre plan, dans notre graphique. Mais aussitôt que vous voyez un petit rond coloré comme ça, là, vous pouvez appuyer dessus longtemps et ça fait apparaître des paramètres. On peut changer les points pour des points vides, des X. Je ne sais pas trop. Ouais, je ne voudrais pas les voir. En tout cas, on peut mettre une droite aussi. Ah, ok, c'est ça. Si j'enlève les points, mais que j'ai mis la droite, seulement la droite apparaît. On peut, le style de la droite peut changer, la couleur, bien sûr. Puis encore une fois, on peut les rendre mobiles dans tous les sens ou seulement à la verticale ou à l'horizontale. À ce moment-là, regardez bien, quand je change l'emplacement d'un point, il est vraiment attaché à ma table de valeur, donc ça modifie automatiquement aussi la valeur dans mon tableau. Alors, ça, c'est pour les tables de valeur. À construire là, à partir d'une table déjà existante ou à construire directement dans Desmos. Si maintenant, je veux faire le lien entre une table de valeurs et une fonction. Donc, si je commence par inscrire une fonction, disons f de x, vous pouvez en essayer d'autres que je vais aller cacher. Je m'excuse, je vais cacher ça ici pour libérer mon écran. Alors, f de x égale 5x moins 1. OK. Puis, si je veux inscrire, je veux faire sortir la table de valeurs qui est associée à cette fonction-là. Donc, je clique Enter. Je viens insérer un tableau. Je peux mettre des valeurs de X au choix. Puis ici, au lieu de... là, pour marquer, là, c'est X2 puis Y2 parce que X1 et Y1 ont déjà été utilisés, puis c'est important de les différencier, là. Donc, ici, je peux venir changer, au lieu de mettre Y2, je vais mettre F. Il va faire le lien. Ah, je l'ai peut-être déjà utilisé, F plus haut, hein. Ouais, on va changer ça. Je vais mettre H. Donc, on va plutôt mettre H, parenthèse de X2 pour faire le lien avec la première colonne de mon tableau. X2, je fais juste inscrire 2, puis il le met automatiquement en indice. Donc, comme ça, on peut générer automatiquement une table de valeur à partir d'une fonction. Il y a une autre façon de faire. Je vais cacher celle-ci. L'autre façon de faire, vous voyez un petit trou d'engrenage ici. Quand je clique dessus, j'ai l'option dupliquer et j'ai l'option convertir en tableau. Donc, ça aussi, ça le fait. Moi, j'ai tendance souvent à la dupliquer pour me garder une copie de celui-là. Puis, convertir ensuite
En tableau. Là, moi, je l'ai en double, par exemple. Je vais en supprimer un. C'est parce que X est déjà connu ici. Oui, c'est ça, je l'ai plus. Je l'ai à plusieurs endroits. Ouais, on va oublier la dupliquer. Ah, c'est ça. Avant, il fallait faire les deux, mais maintenant, ils l'ont changé. On peut seulement faire, on peut la mettre seule. Donc, ça vient me créer un tableau automatiquement. Mais ici, les valeurs de X sont définies par Desmos. Donc, par contre, on peut venir les changer là, à notre goût. 10, 15, on ne s'est pas obligé d'être régulier non plus, là, et ça calcule la valeur de Y automatiquement. Maintenant, table de valeurs à plusieurs colonnes. Donc ici, encore une fois, je vais utiliser I de X égale 2X moins 5, J de X égale moins X moins 1. Je vais cacher l'autre qui est ici. Et là, dans ma table de valeurs que je viens ajouter ici dans mon tableau, je vais mettre des valeurs de X, comme c'est ici. Ici, je peux venir mettre I de X2 pour faire référence à mon tableau, à la première colonne. Ça fait apparaître ces valeurs. Puis je peux, avec la flèche ou cliquer à côté, je peux venir ici mettre J de X2 aussi. Donc, en fait, là, j'ai mis deux colonnes de plus, mais on pourrait en ajouter plein d'autres. Donc, c'est vraiment là, je vois que le temps avance déjà vite, c'était déjà 14h20. C'est vraiment les trucs de base que je voulais vous montrer dans Desmos. J'ai mis, bon, pour la droite de régression, là, je vous invite, il y a un petit tutoriel rapide là, qui explique comment le faire ici à régression. Donc, si jamais ça vous intéresse, là, je vous invite à cliquer là-dessus parce que je veux juste conclure là, avec les 10 dernières minutes qui restent. Je vous ai mis des liens ici, des liens pour vraiment des suppléments. Je trouve très intéressant les listes de points. Donc, ici, j'ai une liste de points qui vont de moins 5 jusqu'à 5. Il a reconnu la régularité de 0,5. Il y a 21 éléments dans la liste et là, on peut faire, la liste se nomme A minuscule. On peut ensuite faire des listes de points en fonction, on peut faire afficher des points en fonction de la liste A. Donc ici, comme ça. Là, ben, on en a d'autres. Là, on peut vraiment s'amuser pour ici, ensuite, avec les élèves, analyser ce qui se passe avec notre liste A. Truc intéressant, je veux vous montrer comment on peut animer un objet sur une fonction. Par exemple, ici, j'ai un ballon de volleyball qui évolue selon une fonction quadratique. Donc, vous voyez que son centre, c'est ici, là, la clé. Son centre est situé en AF de A. Donc, il va toujours évoluer selon la fonction F de X avec le curseur A. Alors, de cette façon-là, on peut créer une tâche avec une animation afin de l'analyser, afin de même de la résoudre avec les élèves. Donc, ça peut se faire de cette façon-là. Des petites astuces intéressantes pour l'usage de Desmos dans certaines activités. Et finalement, polygone de contrainte. Je ne sais pas qui en parlait tantôt, je ne me souviens plus. Mais polygone de contrainte, voici une création ici. Qui est formé de plusieurs polygones de contraintes. On va observer surtout le polygone qui est plutôt violet ici au centre. Je descends, vous voyez, c'est celui-là qui est violet. Donc, il est formé de quatre fonctions. Et en fait, on peut mettre une fonction et les autres, on va les utiliser comme restrictions. C'est comme ça qu'on arrive à créer un polygone de contraintes. Par exemple, si j'enlève celle-là, cette restriction-là, donc on voit là indéfiniment mon polygone, il n'est pas fermé de ce côté-là. Donc, pour le fermer de ce côté-là, on ajoute une restriction. Donc, celui-là est formé de quatre restrictions pour arriver à faire un trapèze comme celui-ci. Donc, on en a d'autres, là, par exemple, là, si je vais voir le rouge, celui-là aussi, formé de quatre fonctions.
En fait, ils sont tous, même celui-là, c'est le gros bleu sur lequel a été déposé le violet par-dessus. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à faire des polygones de contraste. Puis, on pourrait aussi, en plus, faire afficher les droites. Là, si on veut que les droites se poursuivent, on vient les ajouter en dessous là, pour qu'elles apparaissent après ça, afin de trouver les points de rencontre, etc. Donc, ça complète pas mal la partie main sur les touches que je voulais faire avec vous. Je suis juste allée voir où j'étais rendue. Il nous reste 22, il est 14h22, il nous reste 8 minutes. Je vais arrêter le partage d'écran. Puis, on va aller voir si, avant de conclure, s'il y a des questions. Donc, me revoici dans Via. Alors, vraiment, c'est les bases. Sachez aussi qu'il y a possibilité de faire des statistiques, il y a possibilité de faire de la géométrie avec ça, mais la plupart des gens l'utilisent beaucoup pour l'aspect graphique des fonctions. Alors, pour conclure, quelques petits liens, quelques ressources. Si l'outil vous a plu, si vous avez envie d'en savoir davantage, aujourd'hui, ça a été rapide. Habituellement, quand je donne une formation sur Desmos, ça dure une journée complète. Donc, c'est pour ça qu'on a morcelé uniquement la calculatrice graphique aujourd'hui. Mais si vous voulez en apprendre plus, on a une auto-formation qui a été conçue sur le campus Réussi, qui est vraiment complète, qui en fait, c'est des tutoriels, des vidéos où on explique exactement ce que je vous ai montré aujourd'hui. Donc, si on ne se souvient plus comment faire un polygone de contrainte, bien, il y a la vidéo sur comment faire. Si on ne se souvient plus comment faire des curseurs, il y a la vidéo. Et il y a aussi tout l'aspect de la classe virtuelle qu'on n'a pas vu aujourd'hui, mais qui va faire l'objet des deux prochains webinaires. Je vous laisse aussi les tutoriels du Récit MST qui peuvent être utilisés tant pour vous, là, les enseignants, que pour les élèves, pour qu'eux aussi apprennent à utiliser Desmos. Donc, ils ont été conçus pour avoir un public tant enseignant qu'élève. Je vous ai mis aussi des petits défis créés par l'équipe de Desmos là, qui ont été traduits en français pour améliorer vos compétences avec la calculatrice graphique. Des défis qui vont, tu sais, même, il y a des défis de base, mais il y a des défis qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on a vu aujourd'hui. Les corrigés sont inclus. Donc, peut-être qu'on aura notre réponse là aussi pour les réciproques. Deux prochains webinaires à venir sur, vraiment, je vous invite, là, la classe virtuelle, ça vaut le détour avec Desmos, pour simplifier la gestion des classes, la gestion des activités. C'est vraiment, vraiment un outil qui est très bien fait, qui est très populaire au niveau de la communauté des enseignants de mathématiques au secondaire. Puis, on peut l'utiliser au primaire aussi. Donc, le 21 septembre prochain, à 11h, je vais vous parler de la classe virtuelle. Tandis que le 25 septembre, c'est pour apprendre à créer des activités pour la classe virtuelle. Donc, c'est pour ça que je vous dis habituellement, ça dure une journée complète, mais là, on l'a morcelé là, en trois parties d'1 heure. Alors, des ressources accessibles pour vous, toujours gratuits. Aussi, je vous invite à compléter le petit formulaire pour obtenir votre badge de participation au webinaire d'aujourd'hui. Donc, pour ça prend une petite inscription très, très, très rapide sur le campus Réussi. Puis, quelques petits clics pour obtenir votre badge et on vous l'envoie. Et finalement, on aimerait beaucoup que vous complétiez ce formulaire de rétroaction, d'appréciation du webinaire. Très rapide aussi, ça nous aide à améliorer notre service, à optimiser, à répondre davantage aux besoins. Donc, j'apprécierais beaucoup que vous preniez la petite minute pour remplir ce formulaire-là. Donc, sur ce, je vous laisse aussi mes coordonnées, les coordonnées de mon équipe, notre page Facebook, Twitter, notre chaîne YouTube. Donc, suivez-nous. Il se passe beaucoup de choses pour l'enseignement des mathématiques. Avec les technologies. Donc, il n'y a pas juste Desmos, hein, il y a GeoGebra, il y a Scratch, il y a BlockScan, il y a la programmation. On est vraiment gâtés en mathématiques en termes de technologies.